Daniel Day, qui m'a quitté la série, de Grey Away 5-0, plus ou moins. Elle, acteur américain d'origine sud-coréenne, a décroché un nouveau rôle dans la deuxième saison de la série médicale, de Grey New Amsterdam, plus ou moins à elle, écran de TF1 depuis novembre 2019. Daniel Day, Kim S., est fait connaître dans des séries telles que de Grey Away 5-0, de Grey Lost, Les Disparus, plus ou moins ou encore dans de Grey Le Bon Docteur, plus ou moins. Malgré son triste départ dans de Grey Away 5-0, de Grey il a obtenu un nouveau rôle important dans de Grey New Amsterdam, plus ou moins saison 02. Celui qui incarne Ben Daniel dans de Grey Hellboy, plus ou moins a débuté sa carrière professionnelle depuis les années 1990. Après avoir interprété le rôle de Jin Suk-kwon dans la série de Grey Lost, Les Disparus, plus ou moins Daniel Day Kim s'est fait également connaître dans la série Asux, de Grey Away 5-0, plus ou moins en incarnant le lieutenant Shin O'Kelly, un ex-agent du 5-0. Le père de Jackson et Zandé Kim fera l'honneur de sa présence dans cette série médicale New Amsterdam pour la saison 2. À titre de rappel, ce domaine lui est familier car le comédien a déjà décroché un rôle de médecin dans la série dramatique de Grey Good Doctor, plus ou moins. D'ailleurs, il a produit cette fiction en collaboration avec David Shore dont il est vraiment fier. Après avoir acheté les droits d'adaptation de la version originale de la série en Corée du Sud, il a mis à l'écran aux publics américains. Cela faisait plusieurs moments qu'il y a travaillé là-dessus et il a reçu grâce à elle, arrivée de ce producteur. Pour des raisons personnelles, les deux stars emblématiques de la série d'action, de Grey Away 5-0, plus ou moins Daniel Day Kim et Grace Park, ont quitté la série et leur départ a été annoncé par CBC. Pression les talents énormes de Daniel et Grace, leur excellence professionnelle. Ils nous ont aidé à créer un palpitant nouveau Away 5-0, et nous leur souhaitons plein de bonnes choses et beaucoup de réussite dans leurs nouvelles aventures, Mahaloni Loa, annonce CBC. Acteur a posté via son compte Facebook pour informer qu'il ne reviendra pas dans la série policière, car, quand il était disponible, CBC et lui ne se sont pas mis d'accord pour un nouveau contrat. Donc, le quinquagénaire a fait un choix difficile de s'arrêter. Triste de dire au revoir, je suis très reconnaissant envers l'équipe, les scénaristes, et tout se lie à la série, et surtout la distribution. L'équipe a été ma deuxième famille pendant 7 ans, et je leur souhaite beaucoup de réussite pour la saison 8 et au-delà, a reconnu le comédien. Il a ensuite conclu son poste en encourageant tout le monde à de Grey voir au-delà de la déception de ce moment, plus ou moins malgré la difficulté des transitions. Docteur Peter Mill. Lankov a fait une déclaration rendant hommage à Grace Park et Daniel en leur souhaitant le meilleur. Grey New Amsterdam, plus ou moins est une série américaine dans le monde de la médecine et elle est même inspirée de la vraie histoire du docteur Mannheimer. Deuxième saison, un visage bien connu du monde du cinéma fait son apparition, et c'est, et Daniel Day Kim. Le comédien de 52 ans est dans la peau de Dr. Cassian en Chine. Chaîne TF1 a été obligée de suspendre la diffusion de cette fiction pour que les États-Unis puissent se rattraper vu qu'ils ont eu de retard sur la diffusion. Pour mieux connaître le personnage du Dr. Cassian en Chine, il faut attendre la reprise de la suite de la saison 02. Le 7 avril 2020, la chaîne NBC diffusera les épisodes où S, affiche le comédien qui S, est intègre dans elle, équipe de l'hôpital dans le but de diriger le service de traumatologie.
Il est probable que le quinquagénaire a remplace le docteur Floyd Reynolds ayant comme rôle de S, occupé de la chirurgie cardiovasculaire. Le dernier avait confié à Sun Confrere Ryan Eagle D, avoir envisage de S, installé à San Francisco pour rejoindre sa petite amie. Dans une autre série policière, De Grello Mattei, plus ou moins Brigade des mineurs et à sa saison 07. Satisfaire les téléspectateurs, TF1 diffuse les premières scènes de la 7e saison, le 27 février 2020, avec Jean-Luc Reichmann. Elle, acteur, fait partie des acteurs principaux dans cette fiction.